Messieurs, dames, bonjour. <coughs> j'ai un chat dans la gorge. Ça commence bien. Euh, coucou, comment que ça va bien euh, Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour un cours de réseau. Euh, vu que la, la semaine dernière il n'y avait pas cours, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a deux semaines. Alors, bon, sauf les Ryman qui m'ont eu, euh, qui m'ont eu ce matin. Hein, ce matin, on a fait du live coding. Euh, sauf que cette fois-ci, c'était les élèves qui codaient. C'était très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Ça m'arrangeait aussi parce que j'étais pas entièrement réveillé. Parce que j'ai passé toute la nuit à préparer votre magnifique sujet de réseau. Ah oh. Alors, comment que ça va bien à vous hein Vous avez bien marché, vous avez bu de l'eau, tout ça, blablabla. Bla bla. Bonjour. Salut les gens. Oh ouais, à chaque fois, il y a des merdes sur ça. Chronos euh, fait foi. Chronos hein. fait toujours foi. Hein. Euh, donc, euh, ouais. Euh, bah, Je suis content de vous voir, hein. Eh. Je suis content de vous voir, hein. Eh. Euh, avant que j'oublie, on va commencer par la chose la plus importante, enfin la chose la plus importante pour euh, les mauvais élèves qui ne s'intéressent qu'à la stratégie scolaire, euh, c'est-à-dire euh, la session de cours, que j'ai oublié de créer d'ailleurs. Oui, je ne l'ai pas créé. Euh, on a le 4, c'était à 16h15. Et c'est juste... Le cours dure 2 heures, c'est ça 18h15. Euh... Euh, euh, permettre aux étudiants définir nos marqués à la fin de la session euh, mot de passe aléatoire attention le mot de passe aujourd'hui c'est 6HZ6D 6, 6 6 le sandwich of the beast je poste ça sur le chat. Alors. Euh, à quand les sub goals de uh, uh, Ah les subscriptions Non mais arrêtez de vous sub à moi, bande de cons Moi j'ai un salaire. Euh, Subez-vous à des... Enfin, utilisez votre argent pour les gens qui en ont besoin. Et, euh, moi j'ai pas de problème. Moi, ils m'ont passé affiliate à moitié de force. Euh, Je peux pas revenir en arrière. Euh, déjà qu'ils me font chier avec des pubs, et de toute façon, même quand t'es plus affiliate, tu vas avoir des pubs maintenant. Je vais mettre des pubs partout, ces connards. Il euh, y a hyper train. Le... Qu'est-ce que c'est que ces histoires de train niveau 5 je... On parle d'un jeu vidéo, je sais pas ce que ça veut dire. Je, je, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait très très peur. Euh, si c'est pour vos histoires de... Des, des hyper trains. Qu'est-ce que c'est que des hyper trains Je suis devenu un boomer, je sais plus ce que c'est que ces trucs-là. Mais putain, mais... Mais vous êtes des retards. C'est pas possible, vous êtes des retards. Je j'ai j'ai pas besoin de cet argent les gens. Il y a des gens qui ont besoin de cet argent. C'est complètement malsain. Le vous êtes con. Ouais enfin allez 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 utiliser votre argent à des gens qui en ont besoin sérieusement. Puis c'est c'est complètement malsain que mes élèves me passent de l'argent. Honnêtement c'est complètement malsain. C'est oui, enfin le micro, le micro, ça va, le, le micro, je peux me payer pour Noël. C'est mon plaisir à moi. C'est complètement malsain, les gens. Euh, je ne veux pas vous placer dans cette situation et créer un précédent vis-à-vis -vis de ça. Euh, euh, oui, grosso modo, euh, je suis passé affiliate euh, uniquement. Pourquoi il y a eu un affiliate Parce que moi, je suis passé affiliate pour avoir des priorités au niveau du transcodage. C'est-à-dire que ça me permet euh, déjà de choisir les options de délai. Et surtout de permettre aux élèves, de, aux personnes qui regardent, de choisir la qualité. Vous savez, le choix, ils peuvent choisir plusieurs qualités. En fait, c'est réservé, j'ai un accès prioritaire à ça. Quand es partner, tu es partenaire, tu l'as à tous les coups, quoi qu'il arrive, quand tu es partenaire. Et quand tu es affilié, tu es prioritaire par rapport aux gens qui ne sont pas affiliés. Donc moi, c'est uniquement pour ça que je le fais, et pour pouvoir choisir ma latence et réduire ma latence. Donc, euh, ouais, et forcément, bah, pour faire ça, il fallait mettre une. Voilà! Euh, RIP pour le moment, ouais, bah, prioritaire, a on est en plein après-midi. Euh. Mais ça finira, ça finira. Hein. Peut-être à un moment, je finirai partner et euh, quand je serai partner, euh, je l'aurai à tous les coups. Ça, ça, ça viendra. Euh, mais ouais, à la base, c'était uniquement pour, euh, pour avoir plus de, plus de flexibilité sur mon setup et avoir une meilleure qualité. Hein. Euh, bref, on peut faire des prix avec cet argent. Il euh, y a des chances, je vais peut-être faire un truc comme ça. Ouais. Je vais peut-être réinvestir l'argent. Euh euh, trouver un moyen de réinvestir l'argent euh, d'une manière associative ou avec vous sur un truc comme ça. Euh, je sais pas. Un, ah, c'est un hype train. Ok, c'est pas un hyper train. C'est un hype train, d'accord. Euh, je, je euh, Peut-être que je trouverai un moyen. Euh, ce qui est sûr, c'est que cet argent-là, je vais pas le garder pour moi parce que c'est hors de question. Euh, mais, euh, euh, mais effectivement. Euh, euh, épi-solaire non, épi-solidaire pas épi-solaire <laughs> Bande de <schtroumpf. rire> euh, Mais ouais, donc, soit leur filer à l'associatif, euh, soit dans des lots, des machins, enfin, le, re le redonner à l'épita, quoi. Le redonner aux élèves de l'épita. Euh, je vais essayer de trouver un truc comme ça. Mais. Euh... Ah oui, bah, la catchbox, ouais. Le price pool du tournoi à Faites <laughs> gaffe, parce que sinon, je vais me mettre à travailler. Hein. Ah là 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 Ah, faut-il que je vous aime, bande de petits cons, hein. <laughs> oh là 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 là, sur le poker, non, 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 non je ne fais pas de jeu d'argent avec des élèves. C'est euh, euh, hors de question, je ne fais pas de jeu d'argent avec les élèves. J'adore jouer au poker, euh, mais il n'y aura absolument pas de jeu d'argent avec les élèves. C'est une question de principe. Euh, bref, euh, voilà, ça, ça, ça me touche beaucoup. Euh, J'imagine que. que... Euh, que c'est un signe d'affection de votre part. Et franchement, ça me touche beaucoup, sans, sans Bon Vous voyez, j'ai le sourire aux lèvres, c'est super gentil, ça me touche beaucoup. Euh, bon je, je suis un peu mal à l'aise, parce que vraiment, c'est pas une situation que je veux créer. Et si j'avais su que euh, ça m'était pas venu à l'esprit que les gens allaient s'amuser à Sub, euh, moi j'ai rempli les informations en disant « Ah bah super, comme ça je vais avoir un meilleur accès euh, à la logistique de Twitch. Euh, » Je m'attendais pas à créer cette situation, et là quand je vois les gens qui s'amusent à faire des hype c'est euh, ça me touche beaucoup, mais vraiment c'était pas l'intention, et... Euh et ça, ça me met un peu mal à l'aise pour être honnête ça me met un peu mal à l'aise euh, de ma posture en tant, que, en tant que prof vous payez déjà pour un service, j'ai pas envie de vous faire payer supplémentaire à... donc on va voir je, je verrai quoi faire de cet argent mais euh, à court terme euh, je préfère que vous ne se biez pas <laughs> surtout que de toute façon pour avoir toutes les features sur le chat, sachant que le chat je le regarde même pas euh, c'est euh, grand bien que ça vous fasse excusez moi je donne des coups de genoux à ma table ça fait gigoter Bref. Bref, bref, bref. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. Et pour une fois, on va pas parler d'un truc bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de merde. On va faire de la merde. On va manipuler un truc qui est à chier. On va manipuler un truc qui est super complexe. Et non seulement il est super complexe, mais il est super complexe parce que c'est de la merde, parce que c'est une rustine de merde, et que cette rustine, elle casse tous les jolis principes qu'on a énoncés jusqu'à présent en cours. Mais cette rustine appartient à la vraie vie, et on est obligé de composer avec. Mais j'espère que vous me rejoindrez euh, dans la considération de à chaque fois qu'on manipule ça, on doit pester très très fort en disant, mais qu'est-ce que c'est de la merde ce truc vous préparez mentalement à dire ça. Le... Putain, des abonnés. Mais... Bon, arrêtez là avec votre. Vous êtes sérieux. Le camel, c'est meik. Non, mais ah là, là 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 là. Non, nous allons parler. Attention, je prends euh, ma J'ai retiré euh, pour les apprentis. Il m'avait dit que ça les dérangeait quand il y avait les traits. Donc j'ai retiré les traits. Dites-moi si vous préférez sans les traits. Ça me stresse un peu. Ça fait très euh, euh, vide existentiel sans les traits. Mais bon, à ce qui paraît, c'était plus lisible. Nous allons parler. Je me, je me mets un peu à l'aise. Voilà, je me un peu de la table parce que j'aime bien avoir les jambes croisées. Mais comme j'ai les jambes croisées, je donne des coups de genou euh, sur mon bureau et du coup, il y a l'écran qui vibre. Donc là, je me mets un peu plus en arrière en mettant la tablette sur mes genoux. Euh, regarde, je peux même baisser un peu mon siège comme ça pour mettre en arrière. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Qu'est-ce que je suis bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc de merde. On va parler d'une nat. Et c'est caca, caca, nul, moche, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'en faire. Alors pour expliquer ça, enfin d'une manière générale en fait on va parler de IP tables et on va un peu glisser tout ce qui est firewall dans le même temps. Ça c'est le plan d'aujourd'hui. Notre plan d'aujourd'hui, ça va être parler de IPTables, qui est un outil qui permet de faire de, du NAT et du firewalling. Vous ne savez pas encore ce que représentent ces termes. Tout ce que vous devez retenir... Bon, firewall, c'est bien. C'est bien d'avoir des firewalls. Par contre, tout ce que NAT, c'est caca nul moche. Voilà. Retenez caca nul moche. Alors, pour expliquer ce problème-là, reprenons un scénario euh, qu'on avait. Donc, euh, vous êtes chez vous. Ici, c'est chez vous. Vous avez... Euh, votre magnifique ordinateur, ça c'est un bel ordinateur, ça, mmh, avec un clavier et tout. Euh, et votre ordinateur est branché sur, on va dire que vous êtes euh, des abonnés de, de l'Outre Télécom. Je ne peux pas dire Poney Télécom parce que Poney Télécom c'est déjà pris. Donc je dis L'Outre Télécom. Et l'Outre Télécom vous a offert une loutre box. Enfin, offert, hein. vous la louez la loutre box. Hein. Et si on ouvre le capot de la loutre conceptuellement, bon en vrai c'est une seule machine, hein, mais conceptuellement c'est comme s'il y avait deux machines à l'intérieur, une première machine qui était un switch, et donc comme ça on peut brancher plusieurs appareils, hein, plus de Wi-Fi et des machins, et euh, une machine qui est un routeur. Et euh, ce routeur a un port WAN, pour Wide Area Network. Hein, ça, c'est du LAN, c'est les ports LAN pour local area network, et ça, c'est les ports WAN pour wide area network, c'est pour sortir à l'extérieur, pour aller loin. Et euh, selon où vous êtes, euh, ça peut être euh, l'installation téléphonique déjà présente si vous faites de la DSL, euh, tout ce qui est modem, ADSL, VDSL, DSL tout court, euh, tout, tout ce qui tourne autour de DSL, en gros, ça va être... Euh, euh, la paire torsadée le cuivre de, de votre ligne élect téléphonique, soit c'est de la fibre et c'est sa propre infrastructure de fibre, toujours est-il que je vous épargne tout le schéma, ça finit par rejoindre le grand nuage de l'Interwebs. Jusqu'ici, tout va bien. Et vous, vous avez un certain nombre de machines à votre ordinateur. Vous avez votre téléphone, vous avez euh, votre frigo connecté, parce qu'on est à l'âge des objets connectés et l'Internet des trucs et des machins. Donc maintenant, les gens, ils parlent du frigo intelligent qui est capable de t'envoyer un SMS quand la porte n'est pas fermée. Par contre, il est pas assez intelligent pour la fermer lui-même. Foutage de gueule. Non, bref, je ne comprends pas ce délire des objets connectés. Je suis peut-être devenu un vieux con, mais... Bref, euh, vous avez plein d'appareils qui sont branchés euh, sur votre Loutrebox. Et bien sûr, tous ces appareils ont besoin d'avoir accès à Internet. Et donc... Comme vous avez été sage, vous avez bien travaillé mes cours, et armé de ce savoir, vous dites, ah, donc j'ai, on va dire, euh, allez, on va dire qu'en moyenne, j'ai 10 machines que je peux brancher chez moi. La puissance de 2, la plus supérieure, la plus proche, ça va être 16, moins 2, 14. Donc 14, donc je peux faire avec un 16. 16, c'est 2 puissance 4. 32 moins 4 égale. Ah, ok, j'ai fait mes calculs. Avec un slash 28, je peux adresser 14 machines. Et ça tombe bien parce que j'en ai une dizaine. Voilà, super, ça m'a l'air bien. Et du coup, j'ai bien suivi le cours, hein. J'ai été sage, donc je suis allé voir l'outre-télécom et je lui dit « Oui, euh, bonjour, euh, quelle est la taille euh, du, euh, du préfixe que vous me donnez ?» Parce que bien sûr, bah, moi j'ai un réseau local chez moi, hein. euh, bah, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, j'ai mon frigo qui me prévient quand j'ai mal fermé la porte. Euh, euh, et je voudrais savoir, euh, selon votre offre là, pour, euh, pour 15 balles par mois, euh, euh, c'est quoi la taille du préfixe que vous me donnez euh, combien, euh, combien de machines je peux avoir dans le réseau et là, l'autre télécom et vous répond euh, euh, "De quoi tu parles Non, 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 non. Moi, je te donne une IP. Tu veux savoir la taille de ton préfixe <laughs> Je vais te troller, hein. La taille de ton préfixe, c'est un slash 32. Va te faire foutre, hein euh, Ah oui, mais avec quel protocole je peux faire marcher ça Bah, avec le, le protocole VTFF. Hein. Va te faire foutre. Euh, non, non, je te file un slash 32. Je te file une adresse IP. Oui, non mais une adresse IP." Mais moi j'ai plein de machines. Moi j'ai plein de machines, monsieur le trou Télécom. Vous pouvez pas m'en donner plus euh, Bah non, répond l'outre-télécom. On n'a plus, on a pu assez d'IPv4. Il hein. n'y a plus assez d'IPv4. Hein. Euh, bah, comme il n'y en a plus, même nous on peut plus en acheter au rire. Rai pas dit qu'il n'y en avait plus. Maintenant, pour acheter de nouvelles adresses, euh, on, est, on est obligé de les acheter en, sur, les, sur les marchés de seconde main. C'est aberrant cette histoire. Et euh, dans ce cas-là, c'est quoi la solution? Dans ce cas-là, c'est quoi la solution, euh, monsieur Loutre Télécom? J'ai lu qu'avec IPv6, avec IPv6, euh, ça va être bien. Parce qu'en IPv6, il n'y a pas euh, 32 bits, il y a 128 bits. Donc comme il y a 128 bits en IPv6, c'est énorme. Il y a plein plein d'adresses, il si y en a suffisamment, vous pourrez m'en passer un peu. Et l'outre télécom répond. Oui, c'est vrai, mais tu comprends, la transition, c'est dur. Euh, et puis tu comprends, IPv6, euh, euh, c'est assez récent. Comment ça, c'est assez récent, euh, monsieur Loutre-Télécom La euh, première proposition, elle date de 91. Oui, mais tu comprends, euh, machin, j'ai pas investi, puis le reste du monde, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Bref, au lieu de passer sur IPv6, qui est la bonne solution on se retrouve avec cette contrainte de moi j'ai plein d'appareils locaux mais j'ai une adresse IP c'est relativement problématique ça marche pas très bien comme ça je pense que vous en conviendrez qu'est ce qui se passe pourquoi c'est aussi nul comment on va faire pour, pour résoudre ce problème je pourrais décider de euh, m'auto-attribuer des adresses et je vais dire, ah bah tu sais quoi, bah, je demande la permission à personne et puis moi je vais prendre, euh, allez je prends 42.42.42 slash .42 .42 24 parce que j'aime bien 42 ça me fait rire. Haha, <laughs> et puis je demande la permission à personne. Euh, ça ne marche pas très bien quand on fait ça. D'une part parce que si vraiment quelque part il y avait le vrai réseau là-bas qui s'appelait 4242, bah euh, du coup vous l'avez masqué parce que localement euh, vous communiquez localement sur 4242 ici et du coup vous pouvez plus accéder au vrai service 4242 vous l'avez masqué et d'autre part c'est cool de vous vous considérer comme 42 mais si tout le reste de l'internet quand, on, quand, on, quand les routeurs ont, au sein de l'internet on leur demande de rediriger d'adresser un paquet vers 4242 ils sont pas au courant que vous avez décidé ça dans votre coin donc ils redirigent vers l'autre mais surtout déjà vous avez ce problème de, de conflit on peut pas s'amuser comme ça à à Apprendre des, 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 des préfixes comme ça, apprendre des, des numérotations pour la blague sans demander à la permission à personne, on va tout casser si on fait ça. Ah, heureusement on a pensé à tout. Heureusement nos grands sauveurs ont inventé. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait c'était pas très pratique que je me mette comme ça parce que moi, je dois me rapprocher du clavier. Yeah, voilà. Euh, nos grands sauveurs ont inventé un truc absolument génial, la RFC 1918. Donc je rappelle que euh, les RFC sont les documents qui standardisent le fonctionnement de l'Internet, et Address Allocation for Private Internet. Lorsqu'il s'agit de faire des réseaux privés, l'RFC est très, 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 très simple. Hein. Le cœur de l'RFC, il est là. Voici trois préfixes. Et ces préfixes sont réservé à un usage privé. Donc ces trois préfixes sont 10/8, tout ce qui commence par 10, vous voyez, le fameux, vous l'avez sûrement vu chez vous, 192.168/16, le fameux. Vous connaissez peut-être très souvent, vous le voyez en slash 24, parce que sur ce bloc, votre box prend un... Un sous-ensemble, un sous-réseau, elle prend un slash 24 à partir de ce slash 16 généralement. Mais officiellement, c'est tout ce bloc-là qui est réservé à un usage standard, un usage privé, pardon. Et le bloc qui fait chier tout le monde, le 172.16 slash 12, pourquoi il fait chier Parce que 12, c'est pas un multiple de 8, donc faites gaffe, il va de 16 à 32. 32 exclus. Vous voyez Parce que la limite est pas sur un multiple de 8. Tout le monde se fait avoir avec lui, c'est un grand classique. Et ces adresses n'ont pas le droit d'exister sur Internet. Ces adresses n'ont pas le droit d'exister sur Internet. Et on configure les routeurs aux bordures de l'Internet. C'est pas quelque chose de, de hard codé. Hein. C'est une décision administrative. Administrativement, on considère. Euh oui, passe ma souris. Administrativement, on considère euh, que euh, ici, chuk chuk c'est la ligne de démarcation et tu arrêtes d'être chez toi, tu rentres dans le internet. On l'a décidé administrativement et à partir de là, on configure les routeurs et on leur dit, hé hey, routeur, on met des firewalls. Si jamais tu vois un paquet passer avec euh, l'une de ces IP, l'un de ces trois préfixes, que ce soit en source ou en destination, tu drops, tu vas te faire voir. Donc, ces adresses n'ont pas le droit d'exister sur Internet. Et du coup, bah, du coup, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, vous pouvez euh, vous en servir localement et vous savez que vous n'êtes pas en train de masquer un réseau externe. Alors super! Bah, on est parti, on va faire comme fait. Euh, bah, D'ailleurs, c'est auto-configuré par la loutrebox. Hein. Mais en gros, on va prendre un de ces trucs. Typiquement, les gens euh, de les réseaux domestiques, ils prennent euh, 192.168. En et euh, généralement, ils en prennent un genre .1/24. Et vous voyez, c'est un sous-ensemble du slash 16. Et je nomme mes machines. 192.68.1.2.3.4. Toi, tu vas être point .1 ici, là plutôt tu vas être point .1, super. Et du coup, il n'y a pas de conflit. Et bah du coup, je peux contacter euh, l'Internet. J'envoie mon paquet sur l'Internet. Et le routeur, bah, il voit qu'en IP source, vous avez euh, 192.168. Et donc, il drop votre paquet. Il le filtre. Donc, parce que je n'avais pas le droit d'aller sur Internet, j'ai pu m'attribuer ces adresses. Et avec ces super adresses, je peux ne pas aller sur l'Internet. Ouais, paradoxe. Bon, comment on peut résoudre ce problème Comment on peut résoudre ce problème On m'a filé une adresse. Moi, j'ai mis des adresses privées. Hmm, Qu'est-ce que je peux bien faire Regardons un peu le chat. Que dit le chat Ah, le son et les gens disent que le son est pas très fort. Oh non, les gars, je suis à fond là. Euh, je peux booster encore un peu, mais bon, je vais juste me mettre à clipper. Hein. Euh, vous avez le petit train. Bon, plutôt que parler de train, là. Euh, des abonnements. Réseau privé. Bah, du coup, je vais rester sans les traits. Hein. Des petits trains. Euh, Nordic American Tankers, très bien. Du coup, 142.68.0.24, c'est ce réseau que prend notre box. Et VirtualBox nous fait un autre réseau pour qu'on puisse utiliser un accès au réseau avec nos VM. Ouais, c'est un peu ça. C'est du réseau privé dans du réseau privé, tout à fait. Le firewall, c'est donc une frontière administrative entre l'Internet global et chaque réseau privé. Alors, un firewall, c'est un appareil qui peut décider, selon certaines règles, de filtrer des paquets. Et là, on se sert d'un firewall pour appliquer cette décision administrative et pour euh, garantir cette frontière administrative. Mais le firewall, c'est l'appareil qui, euh, qui applique cette euh, volonté de frontière. Et du coup, le 10 privé mange 1% de toutes les adresses, il mange très exactement un 256ème de toutes les adresses, vu que c'est un slash 8, et qu'il y a 256 slash 8. Alors le son n'est pas super fort, ah là, là, là. mais c'est vrai que je regarde sur mon... C'est assez marrant. Ah! Bah! Non, ok, c'est moi qui parle un peu plus. Euh... Ah, ça doit être, j'ai dû changer les réglages de mon compresseur. Je booste encore un peu le son, mais vraiment, euh, si je le booste encore, je vais me mettre à clipper, les gens. Hein. Oui, j'ai fait des pas. Bah. Euh... Euh, le firewall, c'est une frontière. Du coup, le disque privé, le son est pas super fort normalement, ça devrait un peu mieux marcher. Ah, le son est trop fort. Bon, bah, écoutez, battez-vous. Hein. Euh, au moins, son trop fort, tu peux le baisser. Mais. <laughs> euh, ouais. Ouais, vous aimez bien quand ça clip. Hein. Euh... Oui, oui, bah, je suis en train de le baisser, hein, les gars. Hein. Je, je fais de mon mieux. Euh... Voilà, là, là, ça devrait mieux marcher, là. Voilà. C'est compliqué, hein, euh, le son. Hein. Euh, du coup. Euh, là, on a la bonne solution. Le routeur décide de où va quoi quand ça vient vers nous. Ouais, c'est vrai. La question, c'est aussi la question de la sortie. Mais là, c'est une question qui est très intéressante. On va y revenir après, celle-là. Euh, mais du coup, ouais. Exactement, tu as tout vu. On va prendre l'IP de la loutre box. Oula, oula. C'est un excellent truc, mais on va y revenir après parce que c'est un concept un peu plus avancé. Mais bien vu. Eh bien, la solution qu'on va faire, effectivement, c'est une dégueulasserie. Regardez ce qu'on va faire. Attention. Attention, vous êtes prêts? Je pars du principe que donc tout ça, c'est mon réseau local euh, qui est euh, 114.18.1/24, et que l'outre télécom m'a donné une adresse IP, un slash 32, quoi, et cette adresse IP, il m'a donné par exemple 203.0.113.42. 203.0.113.42. Et donc, en gros, hein, si vous voulez, sur le routeur, euh, cette patte-là a cette interface-là, et cette patte-là a 192.168.1.1. Bon, C'est un routeur, il est entre deux réseaux. C'est juste qu'un des réseaux est privé, l'autre est public. Hein IP public égale euh, réseau public. Et qu'est-ce que va faire le routeur Attention, arnaque en cours de route. Arnaque en cours. Lorsque, par exemple, je voulais contacter le serveur euh, 42.42.42.51, par exemple, j'envoyais un paquet où il y avait marqué, donc par exemple, c'était mon ordinateur, mon ordinateur qui envoyait euh, le paquet à 42.42.51, hein, euh, qui se trouve ici. Ici, là, ici j'ai un serveur que je veux rejoindre, qui est sur 42.42.42.51. On envoyait un paquet avec marqué IP source, je marque IS pour IP source. Hein. IP source 192.168.1.1. IP destination, IP dest, ID pour IP destination, 42, 42, blablabla. Et donc là, zoom zoom zoom, IP source 114, .168, 168. Et là, regardez ce que va faire le routeur. Le routeur, il va subtiliser l'adresse source, et il va la remplacer par l'adresse publique. Donc, une fois que c'est passé dans la tambouille magique du routeur, la box, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il a marqué comme IP source Il y a marqué 203 42 Et l'IP destination n'a pas bougé, c'est toujours 42. Donc vous voyez, oui, j'ai subtilisé. Et, et donc là, il y a une requête qui arrive. Et donc, du point de vue de ce serveur, c'est qui qui l'a contacté Du point de vue de ce serveur, c'est cette machine-là qui l'a contacté. J'ai caché tout ce réseau privé. Tout ce réseau privé a été caché aux yeux de l'Internet qui ne voit qu'un seul appareil, bah une IP égale un appareil, c'est bien connu. C'était les règles le principe fondateur de l'internet après tout. Ici. Et donc du coup, il voit IP source 203.0.113.42. Mais du coup, lorsque ce serveur envoie une réponse, l'IP destination est 203.0.113.42, Chouk chouc 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 chouc, ça trouve son chemin, ça arrive ici il va falloir que l'outrebox se souvienne de la requête et qu'il dise ⁇ Ah, mais ça, c'est une réponse. C'est une réponse à la requête qui avait été envoyée. ⁇ Donc sur le chemin retour, on va resubtiliser à l'envers. On va resubtiliser à l'envers. Et du coup, l'IP de destination devient 192.168.1.1 et on rebalance ici. Et on rebalance ici. Donc, on a transformé à la volée les adresses IP. Et ça, ça s'appelle du NAT pour... Network, adresse. Je ne sais pas s'il y a un d » ou deux d ». Je vais en mettre qu'un seul. Non, ça fait bizarre, hein, il en faut deux. Hein. Euh, translation, traduction d'adresse réseau, le NAT. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à quel point cette solution est élégante et bien, sur une échelle de 1 à 10... La réponse est ⁇ moins 50 ⁇ C'est une solution de merde. Alors, est-ce que vous avez bien compris C'est cancer comme opération Oui, c'est cancer. Un routeur stateful, quelle horreur Mais oui, oui, je vois là. Ayez cette réaction. Un routeur stateful, quelle horreur Oui, ayez exactement la même, réac la même réaction. Comment le routeur sait où le renvoyer au retour dans le réseau privé C'est de la merde Comment ça se passe si une machine externe essaye de faire une requête dans le réseau, ça veut dire le, le truc de externe Réponse c'est de la merde Et si plusieurs appareils du réseau envoient en même temps une requête une même IP C'est de la merde <laughs> Donc, oui, non, non, mais la, la, la réponse est c'est de la merde Donc voilà, je, je veux que vous ayez cette réaction d'horreur en disant mais 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 mais, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et effectivement, c'est exactement euh, cette réaction que je veux que vous ayez. Alors, pour remontrer euh, ce qui va se passer, alors, vous avez du mal à comprendre pourquoi c'est mal. Qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc euh, Je vais faire le long inventaire de toutes les raisons pour lesquelles c'est de la merde. Alors, du coup, le routeur sait comment le renvoyer au réseau car il s'en souvient localement. Et dès qu'il reçoit un truc, il doit rechercher ou le renvoyer. Si ce n'est pas la machine de est cachée de la roquette. non, non, c'est euh, le routeur qui se souvient localement. Le routeur commence à avoir un state. Et en plus, il y a des histoires de ports. On va venir avec les ports, effectivement. Mais euh, chaque chose en son temps. Pour l'instant, en particulier, je suis en train de parler d'un scénario qui s'appelle le SNAT pour source. Network Address Translation, parce que ce qu'on subtilise, c'est l'adresse de source. Les histoires de se faire contacter directement de l'extérieur, on verra, c'est le DNAT pour destination, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, source NAT. Et qu'est-ce qu'on a dit C'est de la merde De la mierda. C'est nul, c'est caca. Alors, je vous fais une démonstration de comment on, on fait ça. Pour l'instant, je code le truc hyper rapidement. Et... Euh, oula. Euh, nouveau projet. Mierda. Euh, je vous explique pas comment je le fais. Et après, j'expliquerai comment ça marche. Pour l'instant, c'est juste pour vous faire une démo de comment ça marche. Euh, J'ai un host ici. Lui, il va servir de serveur. Et... voilà, euh, oh on va mettre un switch quand même. Je prends un routeur. Et parce que je suis crade, euh, je vais brancher euh, directement le routeur directement sur une machine. On imagine c'est un réseau local. C'est super crade, mais ça fait le taf. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que... Non, non, dans l'autre sens. Non, reviens là, toi. Bon, ok, c'est de la merde ce truc. Je voulais dire que... Attends, je peux faire ça comme ça, non Comment on fait pour... Ah ah Voilà que ça, c'est une frontière administrative. Et regardez comment je vais configurer ça. Alors, ce n'est pas la peine de retenir comment je vais faire pour le configurer pour l'instant. Vous aurez à le faire pendant le projet. Et j'expliquerai comment on fait dans le projet. Là, pour l'instant, je vais super vite. C'est pas grave si vous ne suivez pas la manière dont je le fais. Euh, 168, bah, parfait. Hein. Euh, adresse privée, point 2. La gateway, ça va être point 1. bah Super. Hein. Euh, je suis content pour toi. Euh, router, c'est quoi, mais euh, label, c'est ETH0 à gauche. Euh, oula, reviens là, reviens la camarade. Euh... Et sur ETH0, j'ai pas de gateway. Et moi, mon petit nom, c'est .1. Et sur ETH1, ça va être la sortie. Et on va dire que moi j'ai dit que c'était euh, sur ETH 1, 203.0.113.42. Euh, pas besoin de, de gateway, je vais simplifier les choses. Mon adresse c'est 203.0.113.42. Et pour simplifier, on va dire que c'est un slash 24. On va dire que c'est un slash 24 pour simplifier. Mais nous on le sait pas. Mais nous on le sait pas. Et du coup, host 2. Euh, il faut que je lui donne quelque chose qui est sur le même réseau local donc qui commence par 203.0.113 hein, logiquement euh, 203.0.113 euh, 51 ça a l'air bien ta gateway ça le routeur ici qui est 203.0.113.42 logique et normalement on est tout bon normalement on est tout bon on est en relance On relance et normalement, regardez ici, là je peux euh, capturer avec du Weirshurk. Je fais du Weirshurk. Vous oubliez là tout ce qui est router Solicitation, c'est l'IPv6, c'est pas pour maintenant. Non. Euh, à la place, je vais me connecter sur host et je vais ping mon camarade. Euh, 203 0 113 51. Et j'ai une réponse, tout va bien. Mais, du coup, problème, 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 problème. Euh, c'est pas toi, lui c'est un vieux truc dont je me sers plus. Euh, c'est euh, euh, lui. Regardez le ping, l'IP source, 192-168. Oh, horreur, crime, horreur, blasphème, sacrilège. Sacrilège. Je suis post-démarcation. Je suis sur l'Internet mondial et j'ai une adresse en 18168. Je ne veux absolument pas ça. Et donc, je vous montre rapidement la configuration qui nous intéresse. C'est pas grave, si vous ne comprenez pas tout de suite la commande, je vais l'expliquer juste après. Mais pour l'instant, je la tape super rapi rapidement. Euh, on va IPTable, c'est la commande pour faire ça. Dans la table NAT, euh, si l'interface d'entrée, c'est ETH... ETH quoi ETH euh, 0. Moins J masquerade. Euh, oui, je suis con. Euh, ah non Je suis fatigué. Euh, moins A post-routing. Posez pas de questions. Ah putain oui, c'est pas moins I post-routing, c'est moins O -T h 1 Posez pas de questions. Euh, cette, cette interface IP tables est légendairement hyper compliquée à comprendre. C'est normal que pour l'instant vous ne comprenez pas. C'est normal, c'est normal, je vais l'expliquer, tout va bien. Comprenez juste que j'ai tapé une commande magique. Et maintenant, et maintenant, si je reviens ici et que je décide de pinger, regardez de son point de vue, l'IP source, c'est 203.0.113.42. Vous voyez J'ai subtilisé l'adresse IP source. Et bien sûr, le routeur a fait le chemin, euh, fait le chemin à l'envers. Parce que bien sûr, euh, pour confirmer, si moi je décide maintenant de Wireshark après le routeur quand il a fait le chemin retour, ici, je refais, et donc là je suis à un Wireshark avant le routeur, et bien cette fois-ci, vous notez que ma machine n'y a vu que du feu. Elle a vu que du feu. Bah moi, elle, quand on a envoyé son IP source, c'était à Et sa destination, bah, c'est lui. Elle y a vu que du feu. Parce que la subtilisation a eu lieu ici. Vous voyez l'arnaque Donc, ça, ça s'appelle du S-NAT. Et le SNAT, c'est de la merde. Alors, est-ce que les gens ont bien compris euh, mais du, du coup, le routeur qui se souvient, il stocke comment ses infos Il y a de la RAM et tout ça Oui, il est obligé de stocker des trucs comme ça. Euh, sauf erreur, on est d'accord que du coup, rien n'empêche les opérateurs d'attribuer la même UPIC à plusieurs clients, une sorte de double NAT. Et la réponse, c'est oui, et c'est encore pire ils, a, ils appellent ça le carrier grade NAT. Le NAT à un niveau euh, fournisseur, le carrier grade NAT. Et il y a du NAT dans du NAT. Et oui, c'est ce qu'ils font, et c'est du foutage de gueule. C'est affreux. Euh. Euh, c'est quoi les raccourcis Vim qu'il vient d'utiliser? Euh, Contrôle V pour la sélection par bloc. Euh, oui. Et donc oui c'est complètement de la contrebande. C'est euh, absolument euh, honteux. C'est le truc qui fait que plusieurs blocs ont la même IP. Ouais, effectivement. C'est vraiment de la merde. Alors, pourquoi est-ce que tout ça c'est de la merde? Pourquoi est-ce que tout ça c'est euh, c'est de la chiotte Quelle indignité, tout à fait. Attendez. Mon, mon PC rame un tout petit peu donc je vais couper euh, je vais couper ouais, euh, GNS3 je vais le relancer un peu après c'est juste parce qu'il est en train de mon ordinateur a un peu de mal en IPv6 il n'y a pas de NAT non en IPv6 il n'y a pas de NAT alors du coup pourquoi c'est de la merde pourquoi est-ce que euh, tout ça c'est de la merde c'est une vraie question ça et eh bien c'est euh, de la merde parce que ça viole un principe fondamental oui c'est normal ça viole un principe fondamental de la construction de l'Internet qui s'appelle le end-to-end end principle. Le principe de bout en bout est un principe fondamental euh de, de l'Internet et ce que dit le principe de end-to-end. Il dit que les routeurs doivent être les plus cons possibles et que toute forme d'intelligence et de maintien d'état doit être aux extrémités. Et on ne veut pas que les appareils intermédiaires maintiennent des états. Vous vous rappelez, c'était le même argument qu'on avait invoqué pour justifier le fait que les routeurs arrêtent de gérer la fragmentation et que la fragmentation soit poussée aux extrémités. La seule chose que devrait faire un routeur, c'est inspecter l'IP de destination. Regardez sa table de routage, balancez le paquet et l'oublier. Donc, déjà, violation du end-to-end -end principle, les routeurs doivent maintenant avoir du state. Alors, comment il fait pour se souvenir du state Eh bien, en pratique, ce qu'il fait, c'est qu'il joue avec les ports. C'est-à-dire qu'il va identifier, euh, je montre rapidement, il va identifier une communication comme étant un, un, un tuple, un, un quadruple, un, un quadruplet, un, un quatuor, quadruple, quadruple, le quatuor euh, IP source. IP destination, euh, port de source et port de destination. Et donc, quand vous vous envoyez une, euh, une adresse IP, euh, vous envoyez un message, euh, vous choisissez aléatoirement un port de source. Bon, pas en ping, parce qu'en ping, il n'y a pas de port, mais si vous faites un curl, par exemple, vous attribuez un, un port de source. Euh, vous attribuez un port de source. Eh bien, euh, le routeur va se servir de ça et il va associer ce port de source à un petit numéro et il va dire ce, quadruple, ce, ce quadruplet, ce quatuor, quadruple, identifie uniquement cette communication exacte. Et il va faire un mapping en attribuant un nouvel IP source et un nouveau port de source. Il va se souvenir de ça, donc il y a un nouveau euh, quatuor. Avec euh, lui c'est le même, euh, lui c'est le même, par contre port de source et port de destination, euh, ça s'est fait NATé Et là, pareil, ça s'est fait natter. Et sur le chemin du retour, il identifie ce quatuor et il dit ces quatre informations me servent de clé dans une hash table, en gros. Et il re-remplace avec cette information-là et il rebalance. Et donc, vous verrez également, et le terme, donc ça c'est pour faire du SNAT. Et l'autre terme, vous l'avez vu, pour faire du, du SNAT, on appelle ça également le euh, masquerade. SNAT ou masquerade. Et ça, faire du masquerade, ça viole le end-to-end -end principle parce que le routeur est obligé de se souvenir de cet état intermédiaire. Alors, vous êtes en train de vous dire, bon, ça va, ça n'a pas l'air si nul que ça. Ok, mes routeurs en du state, c'est un peu plus compliqué à coder, mais bon, ça va quoi. Je veux dire, ce c'est pas comme si euh, on avait des protocoles qui applicativement besoin de euh, euh, les protocoles qui applicativement avaient besoin de nommer des adresses IP dans euh, le message applicatif. Bah ça, c'est les choses qui arrivent en fait. Je vous donne un exemple FTP. Le protocole FTP, la manière dont il marche, il y a deux connexions qui sont établies avec d'abord le, la, la, le client qui envoie au serveur un message en disant Mon IP, c'est ça, recontacte-moi en retour. Le problème, c'est que quand il dit mon IP c'est ça bah du coup, c'est faux parce que lui, il dit ça avec son adresse privée. Bah oui. Et donc du coup, on se met à avoir, à avoir des routeurs qui commencent à regarder un peu plus haut, qui vont jusqu'à regarder de l'applicatif et qui disent, est-ce que par hasard, ce ne serait pas du FTP dans le message applicatif pour en plus aller touiller le message applicatif dans le paquet pour modifier les IP qu'il mentionne pour le faire marcher avec du NAT What the fuck Et puis ensuite, ça pose un autre problème. L'autre problème que ça pose, c'est euh, que du coup... Euh, oh là là, vous êtes tous dans une résidence ou vous êtes tous natés derrière la résidence et il y a quelqu'un qui poste de la merde sur un forum et donc euh, euh, sur le forum le forum décide de vous ban par IP. Bah, du point de vue du forum, il euh, y a qu'une seule IP, donc tout le monde s'est fait ban vu que tout le monde est derrière la même IP. Super. Et si c'était que ça. Et si c'était que ça. Parce que y a un autre problème et l'autre problème. C'est la question qu'on avait vue. Lorsque je décide de faire tourner, on va dire ici, un serveur. Eh hey les gars, j'ai fait un serveur Minecraft, vous voulez jouer à mon serveur Minecraft euh, Bah, euh, vous vous connectez sur mon serveur Minecraft. Hein Alors, l'adresse de mon serveur, c'est 192.168.quelque Quelque chose. Bah non, les gens, ils ne vont pas pouvoir s'y connecter. Ah, merde hum, Comment on va faire J'ai envie que mon camarade de jeu, qui se trouve ici, il se, contacte, il se connecte à mon serveur Minecraft qui est là. Mais ma machine, elle se cache derrière euh, un réseau privé. Elle a une IP privée. Ah bah merde alors Nom d'un Schtroumpf Qu'est-ce que je vais devoir faire Ah bah je sais. On n'a on qu'à dire que l'adresse du serveur Minecraft, c'est l'adresse 203.0.113.42. Mais le, le problème, c'est que si vous faites ça, quand le routeur, il reçoit ce message, autant quand c'était une réponse, parce qu'il y avait d'abord un message sortant. Le routeur pouvait dire « Ah, je me souviens, c'est la réponse à tel message et lors de l'origine de leur requête, c'était telle adresse IP, donc je m'en souviens, je retransforme. » Mais si à la place, ce n'est pas un client ici, mais c'est un serveur et que le premier message vient de l'extérieur Comment on fait Le routeur, il fait euh... ⁇ Ah, c'est un message pour moi ?⁇ bah, C'est mon adresse IP, c'est pour moi !⁇ Ah bah non, bah, sur le port, euh, je ne sais pas c'est quoi le port des serveurs Minecraft, 4242, euh, 42, on va dire. Euh, ⁇ Bah il n'y a pas, bah désolé. Il euh, n'y a personne à cette adresse, faut pas rester ici, monsieur, allez-vous en. Comment on peut lui dire que ⁇ Non, 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 les connexions au serveur Minecraft, c'est ici ?⁇ alors, on, on fait quoi on demande à ce que le routeur sache détecter que c'est un serveur que c'est du, du Minecraft, les paquets réseaux qui sont envoyés. Non, c'est stupide. Quelle est l'information qui est capable de distinguer cette application plus qu'une autre? Eh bien ça va être le port de destination. Donc cette fois-ci, on va faire du DNAT pour Destination NAT. Et on va introduire une règle qui dit la règle va dire si jamais tu contactes le routeur sur le port 42 42 alors ça correspond à rebalancer sur telle machine. Et vous connaissez peut-être ça sous un autre nom le fameux port forwarding. Alors techniquement le Denat est plus large parce qu'on pourrait faire des règles. Euh, ce qu'on pourrait faire également, là c'est pas le cas, mais des applications du Denat qu'on peut faire aussi, c'est que euh, il y a plusieurs adresses publiques et basées sur avec quelle adresse tu m'as contacté je redirige. Donc le port forwarding pour être plus précis est un sous ensemble du Denat où on fait du Denat basé sur le port de destination. Mais bref on, pour nous pour nos besoins on peut à peu près assimiler les deux. Bon ça va c'est pas trop la merde donc je réexplique, euh, je réexplique le flux euh, je reviens, ah bah euh, je reviens, je, je reviens là-dessus. Si jamais ici donc ici il y a euh, l'internet ici il y a la machine qui, qui contacte lorsqu'elle envoie un paquet sur 203.0.113 Enfin 203.0.42, 2.42,42. Le routeur, il dit, ah, j'ai été contacté sur le port 42,42, et donc ça correspond. Je vais subtiliser l'adresse de destination, de destination, et à la place, je l'ai préconfiguré, ça correspond à remplacer par... 192, 168, point, 1, point quelque chose. Et donc, du coup, ça arrive. Et lorsque le serveur fait une réponse, pareil, je me souviens de la réponse. Et donc, je resubtilise comme il faut. Sauf que ça, maintenant, c'est l'IP source. Et je rebalance. Bon. bon ça n'a pas l'air si grave que ça. Qu'est-ce qu'on dise, les gens Ouvrir les ports, créer une entraînate. Effectivement, tout à fait. Euh. Et eh ben voilà, eh ben on a exactement la question. Mais alors, dans une maison, on ne peut pas faire tourner plusieurs serveurs Minecraft. Eh ben non, ils ne peuvent pas avoir le même port. Il peut pas y avoir deux services qui écoutent sur le même port. Ou plutôt, on peut faire des règles différentes. Mais de l'extérieur, chacun aura besoin d'un port. S'il y a deux ordis, vous allez être obligé de dire, bah non, il y en a un qui écoute sur un autre port. C'est de la merde. C'est de la merde. Euh, si on s'y connaît pas trop, c'est pas un peu risqué d'ouvrir ses ports. Euh, si t'as pas un bon firewall sur ta machine, euh, ouais, mais normalement euh, ta, ta machine est censée filtrer les paquets sur les trucs sur lesquels elle n'est pas en train d'écouter. Euh, pourquoi le NAT est actuellement utilisé Parce qu'on a pu assez l'adresse et que les gens sont pas encore passés à IPv6. Tout simplement, la meilleure solution, ce serait de passer à IPv6. Donc il faut prédéfinir le routeur d'une certaine façon pour faire du DNAT. Oui, tout à fait, et c'est ce qu'on fait avec les fameux trucs de port forwarding sur les interfaces des routeurs. Donc oui, on est obligé de le préconfigurer en amont. Donc c'est de la merde. Et, euh, ah, question, euh, comment le routeur sait à quel moment l'échange de paquets est terminé bah, Il est obligé d'aller regarder ce qui se passe dans TCP, dans toute la machine à état de TCP, pour comprendre qu'il y a des messages de fermeture, et il se met à interpréter et comprendre ce que, dit le, de ce que disent les ordinateurs pour dire, ah là il a dit bonjour, là il a dit au revoir, dans ce cas là je ferme. Et ouais. Euh, dans un monde parfait, on a une IPv6 unique par appareil et tout le monde est content. Oui, dans un monde parfait, dans IPv6, il y a tellement d'adresses possibles que lorsque euh, vous commandez pour 15 balles euh, un accès Internet, ils vous filent un slash 64. Pour 15 balles par mois, ils vous filent plus d'adresses IPv6 qu'il existe d'adresses IPv4 dans le monde. Tellement il y a d'adresses IPv6. La solution c'est IPv6. Alors je, je continue sur les questions, mais c'est pour ça qu'on doit préciser TCP ou UDP ou un des deux quand on confie le port. Oui, parce que le port c'est une construction TCP et UDP. Du coup, le NAT va devenir obsolète. Souhaitons-le, souhaitons-le. <laughs> Donc en termes de sécurité, on sait, ne on sait pas la machine exacte qui a le paquet. Tout à fait. Alors. Pourquoi ça fait 30 ans qu'on attend de passer en IPv6 euh, bah, euh, Pourquoi ça fait 30 ans qu'on dit qu'il y a un changement climatique exactement la même chose. Hein. Les passages à IPv6, c'est comme le changement climatique. Il va y avoir une transition, quoi qu'il arrive. La question, c'est est-ce qu'on fait une transition de manière correcte, prévue et sereinement, ou est-ce qu'on le fait dans l'urgence avec des personnes qui meurent entre-temps C'est exactement la même chose. Alors, je vais vous montrer un truc qui est encore pire. Je vous présente un truc qui est encore pire, parce que déjà, vous dites... Ah ouais, mais si moi j'ai euh, deux serveurs Minecraft, les deux peut-être que localement, ils peuvent écouter sur 4242, -42, mais de l'extérieur, il peut n'avoir avoir qu'un seul qu'à ce numéro, et les autres deux, chacun devrait avoir une, un, un port destiné, et on dirait dans le port forwarding, bah ça si tu tapes sur le port 4242, -42, ça correspond au port 4242 -42 ici, et toi si tu tapes sur 5151, -51, ça correspond au port 4242 -42 ici, mais les deux peuvent pas écouter sur le même port. Ensuite, vous faites un jeu vidéo en peer-to-peer -peer, euh, et euh, ça plante. Hein. Vous faites une LAN et ça explose. Et maintenant, je vous présente un problème encore pire. Encore pire. Encore pire. Attention, vous êtes prêts Regardez ce qui se passe. Donc ici, j'ai euh, 192.168.2.3. Euh, point 1, avec le truc qui fait les fameuses règles de Denat et ici il y a le serveur Minecraft qui est en train de tourner il hein. y a un magnifique serveur Minecraft qui est en train de tourner sur le port 4242 et donc j'ai dit à tous mes copains et hey, venez jouer sur mon serveur Minecraft adresse IP 203 0 .113 42 de c'est à dire euh, cette interface là hein. Et tout le monde arrive à se connecter. Et puis, votre petit frère, « Ah bah moi aussi, je veux jouer, euh, je veux jouer sur serveur Minecraft. » Votre petit frère qui habite chez vous, hein, qui a son ordinateur à côté. Et, tu, et vous lui dites, « Ah bah oui, oui, oui. Euh, bah tu te connectes sur euh, 203.0.113.42. » 2.42.42. Regardez ce qui va se passer. Attention, vous êtes prêts. Attention, craderie incoming. Le le, euh, le, le, le PC de votre petit frère envoie un paquet ici parce que sa table de routage lui a dit que c'était un paquet distant. Avec comme IP destination ça et comme IP source 192.168.1.2.3.3 C'est un point 3, excusez-moi. Sinon j'ai un conflit d'adresse. Pardon, excusez-moi. Point 3. Conflit d'adresse. 1, 2, 3. Le routeur voit la règle de DNAT. Ah, l'IP de destination est 203.0.113.42. Le port de destination est 42.42. .42. On subtilise et on rebalance. Donc, j'envoie ici, je redescends ici, avec comme IP de destination. 192.168.1.2. Le serveur Minecraft reçoit la, la requête, la traite et envoie une réponse. Et lorsqu'il s'agit d'envoyer la réponse, on inverse IP source et IP destination. Et donc la nouvelle IP destination est 192.168.1.3. Mais là, cette machine, qui inspecte sa table de routage, elle dit, mais, mais, mais je le connais. C'est un voisin. C'est un voisin. J'ai pas besoin de passer par le routeur. C'est une communication locale. Donc je peux directement lui envoyer le message. Bah ouais, IP de destination 192.168.1.3. Et là, le PC de vos petits frères qui reçoit ce message, avec quelqu'un qui dit, Hey, salut, moi c'est 192.168.1.2. j'ai la réponse pour le savoir Minecraft. Et euh, le PC.3 qui répond. Euh, PTDR, t'es qui T'es qui Parce que moi, j'attends une réponse de euh, 203.0.113, euh, c'est pas toi, t'es qui euh, Tu fous quoi ici Va-t'en. Et donc, la machine drop le paquet. Et pendant ce temps-là, il y a cette personne, ce pauvre routeur, qui, qui s'est souvenu, qui a créé une entrée dans sa table en RAM, qui s'est souvenu, qui a dit Et un jour, il y aura la réponse. Et quand viendra la réponse, je resubtiliserai. Et un jour viendra la réponse. Et un jour viendra la réponse. Et la réponse vient jamais. Vous venez de faire du routage asymétrique. C'est pas le même chemin à l'aller qu'au retour. Et comme en plus il y avait du state, il y a tout qui est cassé. Et donc, le DNAT, ça ne marche pas de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le problème du euh, air pinning. Comme un airpin, vous savez, un airpin, c'est une épingle. C'est une épingle à cheveux. Parce que c'est ça que fait le trajet du paquet à réseau. Et... Ah, une communication distante Lol des en fait, c'est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle tchouk tchouk. Quand le trajet, il fait ça, ouais. Tchouk tchouk. C'est ce qu'on appelle le airpinning. Problème du airpinning euh, c'est ça. Vous voulez savoir c'est quoi la solution Vous voulez savoir c'est quoi la solution Vous êtes prêt à vomir on n'a pas la solution directement avec une adresse IP. On va devoir passer par du DNS. On va dire, on va donner un nom DNS. Et on va faire un DNS menteur pour que de l'extérieur, le nom DNS corresponde à l'IP public. Et de l'intérieur, la résolution DNS euh, donne l'IP privée euh, pour que directement il y ait des communications locales. La seule manière de résoudre ça, c'est de faire des DNS qui mentent avec, euh, avec du split horizon. What the fuck? What the fuck? C'est de la merde. Ça n'a aucun sens. Il y a tout qui est cassé, tout. Alors j'espère que vous partagez avec moi, euh, vous partagez avec moi l'indignation complète de ce que c'est que cette horreur. Voilà, euh, le routeur qui lit, on dirait pour 42 SH. Ça doit être effrayant. Donc voilà, euh, oui voilà, c'est euh, FlexTep à Scott Carrefour, quoi. Non mais, et encore, je n'ai pas cité toutes les horreurs qui découlent du fait d'avoir du nat. À partir du moment où on a dit, Eh hey, regarde, il y a juste une petite rustine, on a tout cassé. Tout s'est effondré. On a tout cassé, c'est horrible. Euh, non, non, on ne fait pas du DNS avec une hypernostime. On est obligé d'avoir un, un vrai, une vraie entrée DNS et on est obligé de l'adresser par nom plutôt que l'adresser par IP. Et quand on l'adresse par IP, ça ne marche pas. Euh, ouais, non, mais voilà, c'est scandaleux. <laughs> Bienvenue dans l'histoire du réseau. Le réseau deux points... C'est scandaleux! <laughs> ça me fait penser à Gabi, il a dû vous faire la blague. Oui, il commence toujours son cours à euh, euh, Comment ça marche l'informatique? Réponse, ça marche pas. Bah là, c'est pareil. Comment ça marche le NAT? Ça marche pas. <laughs> comment ça marche quand tu les un DNS distant? Bah tu l'as dans le cul. <laughs> T'es obligé de faire un fake DNS euh, qui, qui subtilise machin, qui ment et n'importe quoi. Non, non, la seule vraie solution, c'est IPv6. Il n'y a pas de miracle. Avec IPv6, il n'y a plus besoin de scotch. On respecte le pressing end-to-end. -end. On donne un préfixe entier à un réseau local. Chaque machine a une adresse privée, une adresse publique, pardon. Et si le PC3 se connecte en entrant l'IP privée, oui, ça va marcher. Mais du coup, ça veut dire que tu es obligé, de, en termes d'utilisation, que deux personnes, selon l'endroit où tu te trouves, tu ne dois pas adresser une machine de la même manière. Sinon, ça casse. C'est de la merde. Euh, voilà, c'est exactement ça. Le rôle est de subtiliser le combo adresse plus port en une adresse locale. Effectivement, on va subtiliser euh, l'adresse euh, de destination qui est l'adresse publique du routeur. Et on va la subtiliser et à la place mettre, la substituer, et on va mettre l'adresse locale et rebalancer. Alors, je peux relancer un. Euh, J'avais éteint GLS3, on va quand même le relancer. Euh, je montre rapidement, euh, c'est Mierda hein, le projet. Alors, la question de ping, ping c'est euh, encore autre chose. Ping c'est encore compliqué euh, parce que ça fonctionne pas sur les ports. Euh, en fait, il fait un truc bizarre pour ping. Ping c'est encore plus de la merde. Euh, aussi, d'une manière générale, j'en ai pas parlé. Euh, une fois sur deux, selon l'alignement des astres, le ping s'est cassé. Le ping, une fois sur deux, c'est cassé. Parce que, comme c'est ni du TCP, ni de l'UDP, c'est de l'ICMP, bah, forcément, euh, forcément il ne peut pas se baser sur des règles de port pour attribuer à la bonne machine. Donc, en, en SNAT, le ping marche à peu près. Mais en DNAT, euh, vous allez vous faire voir, c'est foutu, ça marche pas. Non. Si Miarda c'est le nom officiel du projet, non, c'est pas le nom du projet. Et non, pas de sub twitch, s'il vous plaît. Soyez sages. Soyez sages. Euh... Qu Qu'est-ce qu que je voulais dire euh... C'est quand qu'on doit passer à IPv6 Un jour, un jour. Euh, alors, où est-ce que j'en suis, moi Uh, what a world quand on passe à IPv6, ouais. Alors, euh, on va devoir apprendre. Maintenant que je vous ai convaincu que c'était de la merde, dans le sujet qui va tomber ce soir, vous aurez l'occasion de manipuler ça. Et on va voir l'outil qu'on utilise pour faire ça, ça s'appelle euh, « IP Tables ». IPtables est un front-end euh, et l'interface en ligne de commande qui est un peu old-school. Il y a des nouveaux concurrents qui sont arrivés, comme NFTable et tout ça, mais pour l'instant, je ne parle que tables parce que c'est celui que vous allez rencontrer la plupart du temps, euh, qu'on utilise pour implémenter ces règles de NAT. La seule chose que je veux dire, il faut faire attention, parce que IPtable, en fait, ça sert à faire deux choses. Ça sert à la fois à faire du NAT et ça sert également à faire du firewall. IPetable, ça sert et à faire du NAT et à faire du firewall. Typiquement, c'est avec IPetable que vous pourrez dire, par exemple, euh, ici, sur cet appareil-là, euh, vous pourrez faire avec une règle IPetable, c'est dans IPetable que vous pouvez dire, si jamais en IP source ou en IP destination, je vois passer 192.168, alors je euh, drop le paquet. C'est quelque chose qu'on va pouvoir dire avec... Euh, avec IPtables. Le problème, c'est que IPtables, euh, c'est légendairement giga hardcore à utiliser. Personne ne connaît les commandes par cœur, et ceux qui prétendent connaître les commandes par cœur vous mentent. C'est à ce point. Hein. C'est de la merde à ce point. C'est de la merde à ce point. Alors attention, je vais vous montrer un schéma. Euh, je vais vous montrer un schéma. Est-ce que vous êtes prêt? C'est comme quelqu'un qui dit qu'on peut first try un C sans li en C100 leak. Exactement, ça n'existe pas. Attention, est-ce que vous êtes prêt? Non, va-t'en toi. Pour pouvoir faire de l'IP table, vous devez comprendre le schéma suivant. Voilà. Donc là, si vous sentez des petits bouts de vomi qui remontent dans votre gorge, c'est normal. Si vous sentez des petits bouts de vomi qui remontent dans votre gorge, c'est tout à fait normal. Euh, je ne connais personne qui tombe sur ce schéma et qui ne commence pas à tourner de l'œil. En plus, quand je dis, eh ben, euh, pour pouvoir utiliser Petable, il faut comprendre ce schéma. Donc là, généralement, on tourne de l'œil. Hein. C'est tout à fait normal que vous soyez en train de péter un câble en voyant ça. Tout à fait normal. Donc moi, mon objectif, ça va être de vous défricher comment marche ce truc euh, pour que vous puissiez euh, vous en servir. Alors, je regarde juste les réactions. Est-ce que les gens sont en train de, de hurler à la mort là-dessus How can I see? ouais. Je vous le remets, vous le regardez bien. Je vais expliquer euh, tous les chemins. Je regarde juste sur mon anti-sèche deux secondes. Donnez-moi une seconde. Euh. Euh... Ouais, c'est bon. Excusez-moi, je regardais juste un truc. Donc alors, pour comprendre ça, attention, c'est de la merde. En fait, ceci représente le euh, chemin... Euh, je vais essayer de télécharger l'image. Donnez-moi une seconde. Euh, je télécharge l'image. Euh... Parce que je vais la charger dans mon open board, ça va être plus simple. Voilà. Parfait. La qualité est pas ouf, mais euh, vous pouvez regarder. Donc, ça, en fait, ça représente le chemin d'un paquet réseau dans, euh, dans euh, l'interwebs. Le chemin d'un paquet réseau dans le noyau Linux. En fait, il y a euh, trois grands chemins possibles. Je les marqué en rouge, en bleu et en vert. Le premier chemin, c'est ce que j'appelle le chemin euh, output. Le chemin output, c'est je décide d'envoyer un paquet. Qu'est-ce qui se passe Le chemin qui est suivi est le suivant. On a un paquet qu'on a généré localement et on fait chou 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 chou. On a une décision de routage. Ça veut dire on regarde la table de routage pour savoir où est-ce qu'on l'envoie. Chou 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 chou. Et on est parti et on l'envoie avec un cas particulier dans lequel on est en train de faire du localhost. Et on a envoyé le paquet. Le deuxième chemin possible, c'est euh, ce que j'appelle input, c'est quand je reçois un paquet qui m'est destiné. Je suis un serveur, je reçois un paquet. Donc là, ça se fait ici. Paquet, est-ce que c'est pour moi, oui ou non la réponse est oui, si c'est oui ou non, yes or no. Oui, c'est pour moi, tu, 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 local processing, je, euh, je l'envoie à la bonne application pour qu'il le traite. Et enfin, le dernier scénario possible, c'est euh, forward. Forward, c'est ce que fait un routeur. C'est quand je reçois un paquet qu'il ne m'est pas destiné. Et donc, je décide de le rebalancer. Hein, c'est ce que fait un routeur. Et là, le chemin qu'on fait pour un routeur, est-ce que c'est pour moi Non. Et donc, à la place, on le balance. Donc, vous voyez les trois grands chemins à suivre. On verra après ce qu'il y a marqué dans les couleurs, les cases et les machins. Pour l'instant, regardez juste les chemins. Output, c'est moi qui envoie un paquet et il vient de moi. J'envoie un paquet, je regarde ma table de routage pour savoir où est-ce que je l'envoie euh, et pour trouver c'est quoi la bonne adresse et la bonne interface. Je balance sur l'interface et on a fini. Euh, input, je reçois un paquet et il est pour moi. Soit parce que je suis un serveur, je suis une requête, soit je suis le client, je reçois la réponse d'une requête qu'on m'avait envoyée. Chou 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 chou, est-ce que c'est pour moi Oui, très bien, je balance. Et je l'envoie à mon application locale. Okay. Et enfin, forward, je reçois un paquet, mais je dois le rebalancer à quelqu'un parce que je suis un routeur. Bam, bam, c'est pas pour moi, je vais à droite et je vais ici. Les trois chemins. Ça va jusque-là Ça va les trois chemins Chou, 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 le train là, il mieux. Ouais, je sais. Euh, il fait tout noir, je peux peut-être essayer de. Attendez. Oh Oh, mes yeux Ah oh Ah, oh, mes yeux, j'ai mal Ah, mais au moins on voit les chemins, ouais. Au moins on voit, on voit les flèches, au moins. Bon, ça fait mal aux yeux, mais au moins euh, on a tout ici. Donc vous voyez les trois grands chemins. Et vous notez que sur ces chemins, on tombe sur des cases de couleurs. Et en fait, ces cases de couleurs, vous pouvez les voir comme une sorte de, de douane. Et en fait, c'est des points de passage où on va faire un check. Et sur ce check, on va pouvoir faire des choses. Alors, il y a plusieurs couleurs qui représentent des types de checkpoints, des types de douanes. Dans le jargon, ça s'appelle des tables. Et il y a deux tables en particulier que je veux vous montrer la table. Euh, je vais la faire en vert comme euh, filter. c'est celle qui s'occupe de faire du firewall, bah elle filtre. Et ça représente les tables de type filter, ce sont euh, ces trois-là, L, L et L. Et vous remarquez que chaque chemin rencontre très exactement une, un point de passage filter. Et chaque entrée ici, si vous voulez savoir, ça s'appelle une chaîne. Donc ça, ça s'appelle la chaîne output de la table filter. Ça, ça s'appelle la chaîne forward de la table filter. Ça, ça s'appelle la chaîne input de la table filter. Et donc, les trois chaînes de la table filter sont input, euh, output et euh, forward. Et ici, ces points de passage sont des douaniers, si vous voulez. Et lorsqu'on arrive sur ce point de passage, sur cette douane, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer La chaîne ici que vous allez rencontrer va inspecter le paquet et va pouvoir prendre la décision de l'accepter, euh, le rejeter, euh, gentiment ou pas. Ça veut dire qu'il peut choisir de le drop, c'est-à-dire qu'il le jette silencieusement, ou il peut le reject, c'est le, le, le rejeter gentiment en renvoyant un message d'erreur. Mais en tout cas, il peut choisir de refuser un paquet. Et il peut se baser sur euh, le port me plaît pas, l'IP source me plaît pas, l'IP destination me plaît pas, machin machin me plaît pas, l'allélument des astres me plaît pas, tu vois-t-il que, euh, que je le jette. Et vous voyez que quand on rajoute une règle de firewall, on l'ajoute à une chaîne en particulier. C'est avec ça qu'on est capable de dire, par exemple, je ne veux pas recevoir de paquets sur le port 80, par contre, je peux envoyer des paquets sur le port. Et je peux autoriser des communications locales. Par contre, dans le cadre d'un forward, ça, j'ai pas le droit. Donc, vous voyez, dans les trois scénarios, si vous voulez ajouter une règle qui est commune aux trois, il faut ajouter la règle dans les trois. Vous voyez Donc, trois chaînes, trois checkpoints pour trois chemins où on peut faire du firewall. Ça va le firewall Je regarde les questions. Allez, ah, vampire. Euh ce schéma est réalisé à chaque fois qu'un paquet entre dans un routeur ou alors un host, les deux. Quand un, quand, il y a un paquet réseau, quand un paquet réseau entre ou sort dans un noyau Linux. Linux traite un paquet réseau égal bam. Alors security, c'est quoi si ce n'est pas firewall C'est encore autre chose qui est un truc plus récent et que je ne maîtrise pas énormément, c'est encore un nouveau truc. Alors comment ça se passe avec Localhost euh, Localhost, c'est un peu bizarre, c'est une sorte de boomerang un peu, euh, un peu chelou. En fait, localhost, c'est une interface boomerang. Euh, c'est une interface boomerang. Et en fait, quand vous envoyez un paquet euh, sur localhost, immédiatement, il réapparaît ici. Et votre nom, il fait, eh, je viens de recevoir un paquet de l'interface localhost. C'est un boomerang. Donc, quand on envoie un paquet sur localhost, immédiatement, on reçoit un paquet de localhost. Donc, quand vous envoyez un paquet sur localhost, ça fait bam. Et ça revient comme ça. C'est juste que vous voyez qu'il y a un shortcut. Et ce shortcut, il est chiant notamment parce qu'il mange le NAT. Et on va voir le NAT juste après. Je regarde les questions. Ouais, désolé pour le dark mode, mais, euh, euh, mais sinon on ne voit pas les flèches. Ça ne prend pas super longtemps de faire tout ce chemin Oui, c'est pour ça qu'il y a des travaux en cours depuis pas mal d'années pour améliorer tout ça, notamment tout ce qui s'appelle BPF, EBPF, euh, euh, des nouvelles améliorations de Loyal Linux qui amélioreraient ce fonctionnement pour que ça aille plus vite. Pour l'instant, euh, c'est pas encore là. Euh, oui, je sais, ça pique, mais. Euh... Euh... Ok. Donc, comment on fait une règle de firewall La règle de firewall, elle se fait en appliquant une règle ici. Et on va dire, et j'ai une vidéo, euh, je ne vais pas, pour gagner du temps sur le cours, j'ai une vidéo euh, sur, sur euh, le Moodle, une vidéo YouTube où je tape les commandes et je réexplique euh, ce mode de fonctionnement. Donc, les commandes, vous allez sur Google. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas quelle est la commande IPtable pour faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, je vous ai donné les armes pour que maintenant, quand vous allez sur Google pour dire comment je fais pour drop un paquet avec ipetable et que la doc vous dise ah bah la commande c'est ça, vous la lisez et vous comprenez pourquoi c'est elle grâce à ce schéma. Vous voyez pourquoi je suis un salaud Je ne vous donne pas la réponse, je ne vous donne pas quelle est la commande à taper. Je vous donne les armes pour que lorsque vous allez Google la commande à taper vous compreniez la réponse qui vous est donnée. Parce que je suis un salaud et le muscle que je veux développer chez vous, c'est le fait de vous renseigner par vous-même. Donc, moi, mon boulot en tant que prof, c'est vous défricher le terrain et vous armer pour le travail de recherche que vous allez faire. Mais là, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste aller sur Google et dire c'est quoi la commande et tomber sur un milliard de sites qui vous disent la commande c'est ça. Sauf que tous les sites vont vous dire la commande c'est ça, mais il n'y a aucun site qui vous explique ce schéma et pourquoi c'est ce que c'est. Eh oui, je suis un salaud. Mais je vous donnerai des, des liens pour vous aider à faire le projet. Hein, la seule complexité à faire le projet, c'est taper des commandes IP hein. Alors, il me reste... Euh, me suis un peu perdu. Ça, c'est ce qui se passe de la machine de destination et c'est le firewall. En fait, euh, c'est ce qui se passe dans n'importe quelle machine Linux, que ce soit un host... Ou un routeur, ou un firewall. Un firewall, c'est jamais qu'un routeur euh, qui, a, en plus, applique ses règles, hein, fondamentalement. Euh... Euh... Euh, c'est en fait, quelle que soit euh, la machine, lorsqu'il y a un paquet qui est reçu, qui est envoyé sous un noyau Linux, c'est ce chemin qui est pris. Donc ce schéma-là, il marche et pour les hosts et pour les routeurs. Mais nous, dans le cadre ici, on va uniquement le mettre euh, sur les routeurs. Et en fait, un firewall, c'est le nom qu'on donne d'une application euh, qui. Euh, d'une machine qui remplit ce rôle. Un pare-feu, quoi. Donc, si tu veux, on peut considérer que IPtable, c'est le pare-feu. Enfin, c'est l'interface pour le pare-feu de Linux. Linux vient avec un pare-feu. Et quand on joue avec la table filter de IPtables, en fait, on active et on configure le pare-feu de Linux. Parce que Linux vient avec un pare-feu intégré. Et les hosts comme les routeurs, dans notre exemple, sont du Linux. Voilà, pour envoyer un paquet, vous devez d'abord faire une campagne DND. <laughs> vous connaissez la phrase, hein, euh, euh, pour faire une tarte à la pomme à partir de rien, il faut commencer par inventer l'univers. Alors, mais ce n'est pas suffisant. Vous voulez encore pire Vous voulez encore pire Parce que là, avec ça, je sais faire du NAT. Mais j'avais dit que, qu'on pouvait faire euh, également du, euh, vous pouvez faire du filter. On peut également faire du NAT et vous voyez, il y a des tables ici qui s'appellent NAT. Et donc nous avons euh, une deuxième table, une deuxième table qui s'appelle NAT qui sert à faire du NAT. Les autres, on les oublie. Euh, Mangle et Security, vous les oubliez. C'est avancé. Raw, pareil. Raw, Mangle, euh, Security, vous dégagez. Et ça simplifie le schéma. Les deux seuls à retenir, c'est NAT et filter. Les autres, vous les oubliez. OK Et donc NAT, il y en a quatre qui s'appellent pré-routing. Post routing, c'est celle qui est tout en bas à droite. Input et output. Et je vais vous simplifier toute la réflexion là-dessus. Et je vais vous dire, notez bien que regardez que pré-routing, c'est fait avant de regarder la table de routage. Et post routing, c'est fait après qu'on ait regardé la table de routage. Et je vais vous donner une règle extrêmement simple, extrêmement simple à suivre. Et vous avez juste à la suivre, et c'est toujours comme ça. Quand je veux faire du SNAT, j'ajoute la règle dans Post Routing. C'est comme ça. Plus dans Output. Je viens après pour le output. Je vais mettre en parenthèse. Lorsque je veux faire du DNAT, je fais une règle dans pré-routing. Plus input. Détail, on verra après pour les parenthèses. Donc je vous juste, retenez juste cette règle le snat se fait ici en post-routing. après avoir fait le routage, parce que maintenant que j'ai inspecté que j'ai décidé d'envoyer le paquet, je peux en post-routing subtiliser euh, l'ip de, de destination, euh, l'ip de source par mon ip à moi. et vous voyez pourquoi euh, c'est important de le faire post routage parce que euh, imaginez que j'avais plusieurs sorties possibles, je dois remplacer mon IP source par l'IP source de la bonne sortie. Et tant que je j'ai pas regardé ma table de routage, je ne sais pas quelle est la bonne sortie. C'est pour ça que le SNAt se fait en post-routing. Et le DNAt se fait en pré-routing parce que d'abord je remplace l'IP de destination par l'IP interne et maintenant j'inspecte ma table de routage, pour adresser ce paquet au bon endroit, c'est-à-dire à ma machine privée. Donc, juste retenez par cœur, SNAT post-routing, DENAT pré-routing. SNAT post-routing, DENAT pré-routing. Ok Et pourquoi on est obligé de faire cette saloperie de output et input en plus Parce que c'est de la merde. Et regardez, il y a un cas qui est marqué explicitement. Si jamais l'interface les, les, le, de destination, c'est localhost, alors je squeeze post-routing. Et pareil, si l'IP de source, c'est localhost, je squeeze pré-routing. Ça veut dire que le NAT, par défaut, si on fait pas gaffe, ne marche pas quand on ping localhost. Grand classique. Euh, bonjour, chui, je comprends pas. J'ai setup la règle de, euh, de, de, de NAT avec IP table pour faire du SNAT. Sauf que quand je cœur le localhost, ça ne marche pas. Oui, localhost, c'est un cas particulier et le SNAT ne marche pas avec localhost. C'est de la merde. Et dans ce cas-là, on est obligé, pour que ça marche également avec localhost, de rajouter les règles et ici, et ici, pour le SNAT, et dans le, pré et dans, et dans le DNAT, de le mettre et ici, et ici. Parce que localhost le squeeze, ne me demandez pas pourquoi localhost le squeeze. Le squeeze, c'est une question qui est vachement compliquée. Et la réponse est c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, pour l'instant, vous pouvez squeezer output et input. Je ne vais pas vous demander de jouer avec output et input euh, dans le cadre du projet. On va se contenter de post-routing et pré-routing. Si vous voulez savoir, c'est si vous voulez tester avec localos, vous pouvez la rajouter. Hein. Euh, retenez juste ça par cœur. SNAT, c'est post-routing. DNAT, c'est pré-routing. OK? Comment ça va pour vous? Ah oui, et c'est pas fini! Vous voulez encore pire! Et comme ça, on n'a pas là. La... Ah si 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 si, t'as quand même la merde du serveur Minecraft du petit frère. Non non, t'as quand même du ARPing, le ARPing, tu vas te faire voir. Et il faut encore faire des trucs encore plus compliqués. En fait, il faudrait en plus faire un combo de Snat plus Denat pour en plus, lorsque tu fais du ARPing et tu rebalances, tu re remplaces l'IP de source du euh, du petit frère pour lui faire croire que c'est l'IP du routeur et que comme ça, ça rebalance par le routeur pour nia 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 de. Non non, c'est de la merde. Ça, c'est uniquement si par exemple le grand classique du cas où t'as besoin de faire ça. Euh, ça va être si euh, toi tu as, euh, as ta machine, tu as ton poste de travail, et derrière tu as une VM ici, et tu voulais exposer, par exemple il y avait un serveur web qui écoutait sur le port 80 ici, et toi tu voulais exposer pour exposer la VM à l'extérieur, que quand on tape sur le port 80 sur ta machine, tu faisais une règle de dénat parce que fondamentalement c'est comme si fondamentalement ta machine servait de, de routeur, fondamentalement, hein, avec, euh, avec un réseau privé. Fondamentalement c'est comme si ta machine servait de routeur. Euh, eh bien en fait tu vas faire une règle de port forwarding de denat c'est ce que tu fais quand tu mets port forwarding dans virtualbox hein, pour que quand on tape sur ta machine sur le port 80 sur le port 80 ça redirige euh, ici sur le port 80 mais du coup les gens ils disent je comprends pas j'ai setup ça mais quand je fais curl localhost ça redirige pas vers ma VM bah oui c'est quand tu curl ta machine euh, avec une IP une de ces IP mais pas avec localhost parce que localhost c'est un cas particulier ça marche pas parce que c'est de la merde. Euh, ouais, enfin, on peut, pas, on peut se connecter directement via l'IP local pour bypass le routeur, ouais, euh, mais du coup, ça veut dire que tu dois dire des, des informations différentes selon, euh, selon les personnes à qui tu t'adresses. Et tu commences à avoir des IP différentes selon la quoi tu t'adresses. Bref, la conclusion de tout ça, c'est quoi La conclusion de tout ça, c'est quoi C'est que euh, l'informatique, c'est de la merde. Je pense que, je pense que vous en conviendrez. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment de la merde, mais on est condamné avec. Moi, je ne vais pas vous donner donc euh, les commandes à taper parce qu'il euh, y a une vidéo euh, qui est sur YouTube, enfin qui est sur le Moodle, euh, qui est sur le Moodle, euh, j'arrive plus, plus à parler, euh, qui est sur le Moodle, et aussi parce que je veux que vous fouillez un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner le. Euh, les armes pour quand vous allez Google. Parce que tôt ou tard, vous allez Google et ça va bien se passer. Je suis juste en train de configurer un petit truc à côté. Donc, la conclusion, voilà. Euh, J'ai configuré mon truc. Ouais, c'est parfait. Donc, comme je disais, la conclusion, c'est que euh, le NAT, c'est de la merde. Et vous trouverez parfois beaucoup de charlatans sur Internet qui vont vous dire... Non, mais tu comprends, le NAT, c'est bien en termes de sécurité, parce que euh, tu comprends, euh, du coup, mon IP, elle est cachée, euh, et comme ça, c'est un truc de sécurité, parce que ça sert de firewall. Et les gens, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, parce que euh, déjà, le NAT, euh, ton adresse IP, c'est n'est pas un truc qui si secret que ça. Hein. Et deuxièmement, euh, on peut tout à fait avoir de la sécurité sans faire de NAT. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais du coup, en IPv6, il n'y aura plus de NAT, donc ce sera un problème de sécurité vu que toutes mes épées sont publiques. Mais c'est pas parce que mes épées sont publiques que je ne peux pas avoir de firewall. C'est pas le NAT qui apporte de la sécurité. La sécurité, entre guillemets, et déjà c'est une sécurité par l'obfuscation de NAT, c'est un side effect par le fait que c'est stateful. Mais on peut tout à fait faire des firewalls et des firewalls stateful sans faire de NAT. Donc attention, le NAT n'apporte aucun bénéfice en termes de sécurité. Les gens qui disent que je fais du NAT pour de la sécurité, ils ont juste oublié qu'il y avait un truc qui s'appelait des firewalls. Et que, attention, euh, ce n'est pas parce que vous avez une IP publique que vous êtes adressable, que vous êtes routable. Je peux tout à fait avoir une IP publique, par contre, quand tu essayes de m'envoyer un paquet, mon firewall t'en va bouler. Et d'ailleurs, de nos jours, tous nos ordinateurs, que ce soit Windows, Mac comme Linux, y a des règles, par défaut, vous avez un firewall qui est restreint, et c'est uniquement quand vous lancez les trucs que vous pouvez taper dessus. Donc euh, et donc de base non non c'est euh, on ne perd rien en sécurité en retirant le NAT le NAT n'apporte aucune feature de sécurité le NAT c'est juste de la merde donc on a vu qu'il y avait deux manières de faire du euh, du NAT le S NAT ou source NAT qu'on appelle élégamment le masquerading masquerading qui consiste à euh, euh, qui consiste à remplacer l'IP source par l'IP publique du routeur euh, sur l'allée et faire l'inverse en retour. Et on se souvient de, euh, de la requête. Et le DNAT, qu'on appelle également le port forwarding, on l'appelle le port forwarding, mais bon, techniquement parlant, on peut faire du DNAT, pas basé sur les ports, mais sur les adresses IP, si le routeur possédait plusieurs adresses IP, mais chute euh, Ou là, on applique des règles. Et si tu me contactes sur tel port, alors je redirige vers tel IP privé. Et on a vu que ça cassait... Tous les principes fondamentaux de l'Internet. Et que, sans qu'on s'en rende compte, on a ouvert une montagne, une montagne de problèmes de merde. Parce que le NAT, c'est de la chiotte. Et ce qu'on aurait dû faire, c'est bouger sur IPv6. Comment vous vous sentez La boîte de Pandore. <laughs> Pas besoin d'IPtable pour voir que l'informatique, c'est de la merde. va y avoir 30 minutes. Non, quand même, les gars. Vous, vous, vous pensez vraiment que j'aurais fait mon timing vraiment je, je, je suis outré. Vous pensez que j'aurais fait mon timing de manière à ce que, comme par hasard, de manière à ce que, comme par hasard, il reste suffisamment de temps pour faire un caoutchouc Franchement, je suis, euh, je, je suis vraiment, euh, je, je, je suis outré. Je, et, et, et franchement. Euh, ah, mais, 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 mais quel est ce bruit? Mais, mais qu'entends-je? Bon, faut que j'arrête avec le truc à la compte. Vous le sentiez venir. Allez, arrêtons les conneries. Mesdames et messieurs. Ah, il n'a pas le son. Cette basse elle est tellement à chier J'aime bien le beat mais le... Franchement il est à chier Alors je vais juste me bouger... Oula Je vais me bouger ici Franchement, ils, ils ont un budget musical, mais euh, je te jure. On ambiance comme des déglingos. Waouh. Joël Couturier. Ah. Kono da Ça se connecte, ça se connecte Alors j'ai bougé le timing des questions sur 60 secondes pour les gens qui ont un problème de délai Et je sais que vous êtes 600 hein Là j'ai que 280 personnes Aïe 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 Allez, dans une minute je lance. Crâne chauve. Noméo. Noméo. Ouais, ouais, vous allez péter le poids. Monsieur propre. Euh, dis donc, il y a des coquilles qui se perdent là. Hein. Je suis le meilleur gnome, très bien. Allez, euh, on lance les autres rejoindront en cours de route. J'ai suffisamment fait attendre. Allez, dans 10 secondes: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est-y part. Attention. Première question. C'est quoi le standard qui spécifie les adresses privées La RFC 1918, la RFC 1819, l'I3E802.3 ou la RFC 2468 Vous voyez, j'ai bougé le timer à 60 secondes pour les gens qui ont du délai. Et j'ai bien fait gaffe de terminer le cours un peu en avance, comme ça on a le temps. On n'est pas pressé. Et du coup, il, va falloir, il faut que je tue le temps à chaque fois. Je pourrais faire du piano en attendant. Je pourrais prendre ma guitare en attendant. Il faudrait que je la configure, par contre. Enfin, je configure les, les flux pour que vous l'entendiez en attendant. Je la réaccorde, surtout. Le... Le piano, le piano. Ah, il est débranché actuellement. Je fait plus assez de prise. Ah, bien joué. C'était la RFC euh, 1918. La fameuse RFC 1918. Je la remontre. Elle se trouve euh, ici. La RFC 1918. Il n'y a pas beaucoup de numéros de RFC à connaître par cœur. Mais 1918, elle, elle est à connaître par cœur. C'est une des rares à connaître par cœur. Et elle tient en trois lignes. Ces trois lignes-là. C'est tout ce qu'il y a à retenir. La RFC 1918. Euh, Où oui, est passé mon k Mon caoutchouc il est là. Euh, c'est pas la 1819. <laughs> Dommage. C'est pas les 3E802. Hein, ça n'a rien à voir. Les 3E802.3, c'est le standard qui représente Ethernet. Ça n'a rien à voir. C'est Ethernet, ça. Donc les adresses IP chez Ethernet, ils s'en battent les couilles. Et la 2468, c'est encore autre chose. Et vous, si vous voulez vérifier quelle est la RFC 2468. Euh, la RFC 24-68, c'est I Remember Ayana, euh, la RFC en hommage à la mort de John Postel. Donc ça n'a rien à voir. Euh, très bien. Je suis flatté. Je suis flatté, mais non. Clairement pas. Clairement pas, je ne suis pas le meilleur. Alors, continuons. Deuxième question. Quelle adresse n'est pas une adresse privée 192.68 75.28. Vous avez pas eu le temps de lire, bande de tricheurs là. Euh, 10 290 67 30. 172 32 246. 172 28 12 47. Après s'il y a des gens qui veulent s'amuser, soit répondre au pif... Euh, soit tricher sur un truc qui est pas lié à des points euh, pour mettre un pseudo à la con. Euh. Écoutez, il y a des gens qui cherchent du sens dans leur vie euh, parce que leur vie n'a pas de sens. Euh. Je trouve ça triste, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ça... C'est cool de répondre vite, mais moi je préfère des gens qui répondent bien. Je préfère des gens qui répondent bien. Je préfère que vous voyez cet exercice comme prendre le temps d'essayer de comprendre, vérifier que vous avez bien compris et tenter d'avoir le 10. Ce qui compte, c'est d'avoir les points. Yes, bien joué. Alors, tous les gens qui ont répondu ça n'ont absolument aucune excuse et je pense que très, très probablement, ils ont juste euh, random dès que la question est arrivée. Super, c'est cool. Euh, T'as pas compris le but du jeu en fait. Euh, 10 non plus, tout ce qui commence par 10, 10 slash 8, tout ce qui commence par 10 euh, est euh, privé. Vous le voyez ici, tout ce qui commence par 10 est privé, 10 slash 8. 180 68 également est privé. Et là, le piège, c'est jusqu'à 32 non inclus. C'est un slash 12. Ce qui veut dire que lui est en dehors de la RFC 1918. C'est une adresse publique. Par rapport à elle qui est une adresse privée. Ah, bah ben je suis plus le best. Et ben c'est F pour IRC, du coup, qui a remplacé. Euh, attention, question suivante. Combien je peux faire de slash 24 à partir d'un slash 16? Oh non le retour de cette question le retour de cette question mais ça fait deux semaines Eh ben ouais. bah ouais moi je vérifie que les muscles que j'ai que vous avez musclé ils sont encore là on continue à muscler les choses hé <laughs> hé Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. 256. Pourquoi 256 Combien je peux faire de slash 24 à partir d'un slash 16 Chacun de ces slash 24 auront ces 16 premiers bits en commun, vu qu'ils viennent de ce slash 16. Et donc, ce qui va les différencier et ce qui va varier entre eux, c'est les 24 moins 16 égale 8 bits suivants. Donc, je peux faire autant de subnet que je peux te faire de variations avec 8 bits. Donc 2 puissance 8 égale 16, égale 256. 2 puissance 8 n'est pas égal à 16. 2 puissance 8 égale 256. Pour en faire 512, il m'aurait fallu un bit de plus. J'aurais dû faire des slash 25 pour avoir des, ça. Et là, j'aurais pu faire 1024 slash 26. Et à chaque fois quand je double, là j'aurais pu faire 2048 slash 27. Vous voyez la logique. On fait la différence entre ces deux nombres. Ça nous donne le nombre de bits qui peuvent varier. Et c'est ça euh, le nombre de machines qu'on peut avoir. Attention. C'est pour toi, Coco. Je, je, le vis mal ça, je le vis mal, ça. Je suis très fier de mon crâne Vous savez que j'ai des shampoings spécifiques et tout ça. Bon, bref. Attention, question suivante. C'est quoi la table que j'utilise pour dropper les paquets entrants avec une certaine IP La table filter, la table nat, la table mangle, la table sécurité sont vraiment à chier ces musiques. Je veux pas changer les musiques Non, c'est juste changer le. Ah, je peux pas changer les musiques. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont des bonnes batteries, je trouve. Ils ont des bons beats. Ils ont des bonnes percus. Les mélodies, c'est pas trop la merde. Mais leur basse Mais leur basse Oh là 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 là, on dirait un clown avec un trombone. Bref. Euh, ah C'est quoi la table dont on va se souvenir Et eh bien, effectivement, c'est la table Filter. Il n'y en a que deux à retenir Filter et Nat. Et comme on avait dit, Security, c'est un truc un peu plus récent, un peu bizarre, on s'en fout. Mangle, on s'en fout. Il n'y a que deux tables à retenir la table Filter et la table Nat. Et ce qui permet de dropper des paquets et de filtrer des paquets, la partie de firewall, c'est la table filter. Parce que la table NAT permet de faire du NAT. NAT for the wind. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Attention, prochaine question. C'est quoi le principe fondamental qui est violé par le NAT Le principe de layering, le principe end-to-end, -end, le principe de Talos ou le principe d'encapsulation Vous savez à quoi ça me fait penser euh, euh, Ça, euh, une de mes émissions préférées euh, de, de variété anglaise, c'est euh, euh, Countdown de Ten. Euh, c'est une émission humoristique avec un humoriste qui s'appelle Jimmy Carr. Et il, les, et il fait jouer, il fait venir un panel de comédiens et il leur fait jouer à grosso modo des chiffres et des lettres. Et euh, à chaque fois qu'il y a le timer pour faire arrêter, il fait un petit sketch à la con pendant la musique pendant 60 minutes. Il fait venir un clown, ou il, il se met à jongler, il se met à faire une connerie à chaque fois pour faire poireauter pendant 60 secondes. Et je me dis, je devrais faire un truc comme ça à chaque fois qu'on a 60 secondes à poireauter. Je devrais me lever, et faire un petit truc marrant, hein. un tour de magie, euh, résoudre un Rubik's Cube. Euh... Bref. Effectivement, c'est le principe end-to-end. Le principe de layering, c'est un principe qu'on a dans Ozil et Anticipé, c'est le principe, c'est la notion d'avoir des couches. Et nous, on a bien quand même des couches. Le principe d'encapsulation, euh, c'est l'idée de dire que chaque couche apporte ses headers. Et le principe de euh, Talos, le Talos Principle, c'est un jeu vidéo de puzzle d'ailleurs qui est très très bien, que j'ai toujours pas fini, parce qu'il m'a fait très mal à la tête. Donc euh, non, euh, Talos Principle, très bon jeu d'ailleurs, si vous n'y avez pas joué. Très, très mindfuck. Mais non, c'était bien le principe de bout en bout qui a été violé par le Nat. Ah oh là là là, c'est le Nat. Oh, on a perdu Nat for the Wind. Je crois qu'il il a joué la gloire et il a mis le principe de Talos pour la gloire. Allez, on enchaîne. Attention. J'ai envie de faire du masquerading, c'est-à-dire du SNAT. J'ai besoin d'utiliser la table pré-routing de la table filter, la chaîne post-routing de la table filter, la chaîne pré-routing de la table NAT ou la chaîne post-routing de la table NAT. Prenez bien le temps. Ça prendre à faire le con. Allez, allez, allez. Je vais plus faire ça avec mes cartes. Euh, donc, bien vu. Déjà, ce qui est sûr, je veux faire du masquerading. Masquerading, on a vu que c'était un alias, enfin c'est un cas particulier de SNAT, c'est du source NAT, le masquerading. Donc c'est du NAT, c'est sûr, c'est pas dans l'étape filter. C'est sûr, ça ne peut pas être dans l'étape filter. C'est forcément dans l'étape NAT. Et là on avait le choix entre pré-routing et post-routing. Et qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit qu'il fallait retenir par cœur la chose suivante. Le SNAT, c'est dans post-routing. Le DNAT, c'est dans pré-routing. Et donc, ici, le masquerading, c'est du SNAT. Donc, on le fait dans post-routing. Oh, un AS. Oh, je ne le connais pas par cœur, ça, les AS. 212, 270. J'aurais regardé, c'est quoi comme AS Attention Question suivante. Le port forwarding, c'est un nom d'usage pour le source NAT ou le destination NAT? C'était quoi déjà comme AS oh, Je sais hein. 270, c'était quoi comme AS Ah, c'est le Ripe, on dirait. Très bien. Euh, surprise. Oui, bien vu. Le port forwarding, c'est le D-NAT. Bien vu, bien vu. Et non pas le source NAT des NAT, pas source NAT parce que c'est lorsque je vais être contacté de l'extérieur alors que moi je suis un serveur donc a priori c'est l'AS du RIPE ça on dirait euh, ok continuons attention prochaine question on touche à la fin j'ai envie de dénat localhost 80 vers localhost 8080. J'ai besoin de la chaîne pré-routing, post-routing, inputs ou outputs Allouez pas le ride, pardon. Mais ils disent pas c'est qui. La S-Block. Bon, je regarderai après. Ah, le piège. Ah, le piège. Bon, alors déjà, euh, post-routing, on vient de dire juste avant, vous n'avez aucune putain d'excuse. Ça sent les macaques qui s'amusent à... Euh, à à hardcoder les trucs, euh, enfin à, à random plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc pas bien. Mais euh, clairement, ce n'est pas du post-routing parce que c'est du DNAT. Et qu'est-ce qu'on a dit juste avant Je le répète SNAT post-routing, DNAT pré-routing, plus input. Et pourquoi on avait les plus input et les plus output Pour le cas particulier de localhost. Et ici. Qu'est-ce que c'est? Le cas particulier de localhost. Donc, je devais utiliser output. Pourquoi output? La réponse se trouve dans le magnifique schéma que j'ai euh, importé ici. Parce que le DNAT pré-routing va se faire squeezer si jamais l'IP de source, c'est local, localhost. C'est de la merde. C'est un cas particulier de localhost à cause de localhost parce que c'est de la merde. Une fois de plus, pourquoi c'est comme ça Réponse, c'est de la merde. Donc, on est obligé, pour les cas particuliers de localhost, pour que ça marche, de, en plus de prerouting, doubler pour le pré-routing de mettre input et pour post routing, en plus de faire output. Ce que j'ai marqué ici. Non, pour « denat », il faut « input ». Attendez, quoi J'ai dit... C'est « output » que j'ai mis sur le... Oh, ça mère la chienne <rire> <rire> Attendez, <rire> attendez <laughs> euh, J'ai dit que je voulais faire du « denat » sur le sujet Oui, « denat ». Oui, non, « denat », c'est « input euh, ».« denat ». C'est input. Ah bah euh, c'est une honte, c'est honteux, c'est scandalisant, c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est inaccessible, euh, c'est honteux, je me retire définitivement de la vie politique, euh, je me suis trompé. La bonne réponse effectivement c'est input et c'est pas output. C'est ma faute. C'est horrible. Remboursé, je, je, je vous présente mes plus plaques excuses et je, je vous présente ma, ma démission. Mais c'est pas grave. Désolé pour toutes les personnes qui ont répondu correctement et qui chutent. Je suis désolé pour vous. Cœur-cœur quand même. Je <laughs> suis désolé. C'est des choses qui arrivent. L'erreur est humaine et je suis le premier à être un humain. Donc je suis le premier à faire des erreurs. Désolé. Mais c'est pas grave. Il reste deux questions pour se rattraper. Allez. Question Le airpinning problème, ça arrive quand j'essaie de contacter une adresse dénatée Depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur le airpinning arrive quand j'essaye de contacter depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Aïe ah, yeah, aïe yeah, aïe, je vais me faire close compte. Que je corrige ça. Ça m'apprendra à travailler à 4h du matin. Hein. On si plutôt que ça, j'essaie de les résoudre, le cube là plutôt que les tourner comme ça dans le vide. Hein. Yes, bien sûr! Le AirPinning problème, euh, c'est lorsqu'on essaie de contacter de l'intérieur. Et le problème du AirPin, on le voyait lorsque je voulais, euh, je voulais contacter un voisin, mais je faisais pion, pion, comme ça. Et ça fait comme une épingle à cheveux. Donc c'est quand je contacte de l'intérieur et ça fait le, euh, le routage asymétrique. Problème de hairpinning Et le problème du hairpinning, je ne vous demanderai pas de le gérer dans le projet. Pour simplifier, il y a des moyens de le gérer avec table en faisant des bizarreries, euh, mais moi je ne vous demanderai pas de le gérer. Les choses se stabilisent. Et du coup, la dernière question. Ah, Matty wolf is back in the game. Euh, la dernière question. Attention, elle est très compliquée. Je vous demande de bien réfléchir. Vrai ou faux? Nat, ça ajoute des trucs importants en sécurité. Merci. Merci. Bien évidemment. Vous aurez quand même pas cru que le Nat pouvait avoir la moindre chose utile pour elle. Non, le Nat, c'est que de la merde. Vivement IPv6. Le Nat n'apporte rien en sécurité. Le peu de sécurité qu'il apporte, c'est des side effects du fait qu'il est stateful. Et ces side effects stateful, je peux les avoir juste en faisant un firewall euh, un, un fire stateful. Hein, le fait de dire, oui, mais regarde comme ça, je peux contacter l'extérieur sans me faire contacter. Oui, enfin, ça, je peux le faire avec un firewall correct. Euh, j'ai pas besoin du NAT pour ça. Donc, non Le NAT n'apporte rien en sécurité. C'est de la merde, le NAT Mesdames et messieurs, le classement est le suivant. Faussé par une question que j'ai merdé des os. En troisième, nous avons Alanas. En deuxième, le faux perfect. <laughs> Les faux perfect <laughs> Félicitations à Nat qui a gagné. Nat qui réussit en se trompant, je pense que c'est quand même la chose la plus... Euh, la plus symbolique. Euh, félicitations à vous. Euh, je vous remercie énormément pour ce cours. Je coupe la musique parce que la musique de fin par contre elle l'a toujours stressé. Voilà, je la coupe. Euh, je vous remercie énormément. Euh, J'espère que, euh, que ce cours vous a plu. Euh, effectivement, donc là, c'est un cours qui manipule des choses un peu subtiles. Et j'ai fait le choix de m'attarder sur les subtilités et sur la compréhension du problème plutôt que comment on fait. C'est plus facile, une fois qu'on a compris pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et quel est le concept du problème, de simplement apprendre quelles sont les commandes, plutôt que je passe deux heures à vous dire les commandes, c'est ça, apprenez-les par cœur, ne posez pas de questions, parce que sinon, vous allez vous tirer une balle, vous allez juste les apprendre par cœur, les oublier, aller sur Google à chaque fois. Donc là, bien sûr, vous avez les armes pour quand le sujet tombe. Allez Google tranquillement de votre côté. Retrouvez les vidéos que j'ai passées, les liens, retrouvez les commandes, comprendre ces commandes et vous n'aurez aucun problème pour le sujet si vous avez compris ce cours. Oui, je n'ai pas donné la commande qu'il fallait pour filtrer un paquet avec IPtable, avec la table filter. Vous êtes des grandes personnes, vous pourrez le trouver sur Google. Il n'y a aucun problème. Parce que maintenant, vous avez compris pourquoi ce que c'était et comment ça marchait IPtable, ce qui est le plus important. Sur ce, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent vendredi soir, euh, de faire un peu de sport, de vous reposer un peu, d'avancer tranquillement sur votre 42SH. Et euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine et euh, je vous reviens vers vous très rapidement pour le, euh, euh, pour le sujet. Donc d'ici euh, une heure ou deux, euh, je vous envoie une annonce avec le sujet qui est tombé. Et sur ce, je vous souhaite... Un excellent week-end. Bisous bisous.